Voilà, la dernière fois on s'était arrêté là, on a fait quelques missions annexes pour gagner pas mal de thunes. Enfin l'argent du jeu hein, qui est. D'ailleurs, là, c'est bien parce que ma manette est reconnue cette fois. La dernière fois j'étais au clavier, là c'est au pad. Je vais pouvoir jouer avec la manette 360, ça sera un peu plus facile pour moi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu, il s'agit de Driver San Francisco. Du jeu. Édité par Ubisoft, développé par Reflection Studio, qui est maintenant Reflection Ubisoft. Sorti en 2011, septembre 2011. On fout la League Play, va chier dans les boîtes. Alors ce soir, mes potes et moi, on va ruiner ta belle fiesta. Voilà, je m'éloigne un peu des missions pour pouvoir parler un petit peu. Voilà, donc tac tac, j'ai dit ça. Et donc oui, la dernière fois, enfin lundi soir, on s'était arrêté après avoir fait la première partie de la du jeu. J'avais débloqué la deuxième, voilà, la deuxième partie de la map. Donc c'est San Francisco, hein, le terrain de jeu. Et on va progresser tout simplement aujourd'hui. Je pense qu'en une heure on aura peut-être débloqué la troisième partie de la ville. Je pense que c'est le sud, il me semble, ou le nord, je sais plus. Enfin, en tout cas, on est parti. Donc, je vais continuer. Déjà chopé une voiture. Hop. Donc voilà, ça c'est la particularité du jeu, hein. On peut se déplacer dans la ville. Tanner est dans le coma. Tanner, John Tanner, c'est le personnage qu'on incarne. Ceux qui ne connaissent pas, c'est Driver. Alors, il va falloir que je me réhabitue aux touches maintenant, vu que j'ai le pad. Donc ça, c'est la radio. J'ai la thune en haut à droite, ok j'ai 26 000. La thune va permettre d'acheter des garages, des voitures, des améliorations. Par contre, autre chose, je vais finir parce que là je vois qu'il n'y a pas grand monde qui. Là, je sais pas, Twitch des fois il bug. D'ailleurs, je vais remercier aussi hein, pour la dernière fois, j'ai actualisé. Tous ceux qui se sont follow, j'ai eu des. Je crois qu'il y a eu des bits de Uriel. Merci pour les 100 bits. Et merci du coup au dernier follower qui est Néopic. Bienvenue à toi. On s'est croisé aujourd'hui. Bienvenue, bienvenue. Alors, tac, je vais afficher encore 2-3 choses et premier, après on part en jeu. Niveau son, micro, c'est ok. Niveau son enceinte c'est ok, pas de perte d'image. J'ai changé de codec cette fois. Non, j'ai toujours le même codec. Maintenant, encodeur, pardon. Nvidia NVENC H2200, ok. Par contre, le titre, je vais peut-être changer parce que celui du Let's Play c'est bien, mais on sait pas trop où on en est. Peut-être falloir que je trouve un. Ok, bon. Donc oui, on était. Voilà, je montre aussi l'enquête parce que voilà, le jeu, voilà, c'est une enquête policière. Tanner, John Tanner et Tobias Jones sont partenaires. C'est des policiers, enfin, des détectives privés, policiers. Enfin, voilà. Donc Jericho, c'est le méchant. Il s'est évadé de prison au début du jeu. Il nous a fait tomber dans le coma parce qu'on était à sa poursuite et dans un fourgon blindé. Il s'est retrouvé derrière nous. On l'a percuté, vous avez vu la cinématique du début. Et on avait pris, on a commencé à chercher des indices et on avait découvert que Ordel et Darius étaient des membres du gang de Jericho et qui essayaient de monter en grade pour voir Jericho. Et puis on avait découvert aussi une autre personne, une femme, qui avait tiré le lance-roquette, là, le missile, pour aider Jericho à s'enfuir. On est reparti, allez on va jouer, j'ai raté le blabla, c'est pas là pour ça. Donc on va continuer les missions, donc les missions jaunes c'est les missions principales, secondaires, les bleus c'est des défis, c'est des activités annexes. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire celle-ci, je crois que c'est une course. J'ai misé tout ce qu'on a gagné la dernière fois, on va doubler notre cagnotte, mais... J'ai misé tout ce qu'on a gagné la dernière fois, on va doubler notre cagnotte. T'es malade! Je te l'ai dit, je me souviens à peine de la course! Je sais pas ce que t'as fait, June, mais il faut que tu le refasses! Parce que si on perd cette course, on perd la voiture!
Ouais, parce que j'ai aussi misé la voiture. Mais quel débile! C'est parti. Donc la suite de l'histoire avec ces deux. Parce que chaque mission, c'est des histoires. On retrouve des personnages. T'es prêt à toutes les notes mises? C'est une sacrée responsabilité qui pèse sur mes épaules. Eh, c'est pas une course de stock-car, hein. On n'a pas de mécano pour s'occuper de la caisse quand on a fini. Le jeu date de 2011, donc il est un peu, voilà, graphiquement... Oh là là, je suis en sueur. C'est vrai que ça sent le gymnase. Pas très jeune. Ça, c'est le frère que j'aime. Ah non, c'est pas moi. Oh, quelques rayures, c'est pas très grave quand on gagne. Tout en souplesse. Ah, comme des nouilles dans un bol de soupe. Parfois, tu m'inquiètes. Oh ouais, on est devant, on est devant, on est devant, on est devant! Voilà. On arrête les courses de rue. Ok? Ok. Sûr que ce soit une bonne idée de tout miser sur une seule course. Qu'est-ce que tu racontes? On les explose! Ayumu, ce sera peut-être pas toujours le cas. Quoi? Tu vas perdre tes talents de pilote comme par magie? Boucle-la et gagne la course! Oh. Ça y est, on est riche! Ouais, c'est dans la poche. Oh chiotte la fac! On a qu'à faire ça tous les jours! Eh merde! Juste où le deuxième était pas très loin. Première mission de fête, on continue, hein. Activité débloquée. Ok. Par contre, la manette elle vibre, je sais pas pourquoi. Je vais aller enlever ça. Voilà. Parce que les vibrations c'est bien, mais quand c'est. Ils savent pas trop gérer les vibrations, ceux qui ont fait le jeu. Je vais faire les enlever. Hein. Alors, dans le garage, on va acheter quelques voitures. On va plutôt. Enfin, je sais pas. Pas d'énergie. Action. J'ai bloqué la caméra action parce qu'il y a des filles qui demandent cette caméra. Voilà. Après les défis, ouais, on verra plus tard ça. Enfin, je le ferai plus tard quand on finira le jeu. Ça c'est des missions annexes. Des courses annexes. On verra plus tard. Donc ouais, je répète, hein, merci à ceux qui ont follow et qui ont donné des bits, notamment Uriel TVFR. Ça n'était pas hier ça. Merci à lui, merci à vos derniers followers. Et par contre, je comprends pas pourquoi Wizbot il s'est pas réveillé, j'ai l'impression. Je vais faire encore 2-3 trucs sur le live. Hein. Hier j'ai pas streamé, hein. Hier j'étais crevé et je crois que ça se ressent un peu là. Sur le live, c'est pas comme c'était avant. Attends, j'ai juste voir pour Wizbot là le bot qui met les trucs. D'habitude il spam sur le chat et là il n'y a rien. Ça me paraît bizarre. D'habitude il spam. Fidélité, interaction. Ok, ça c'est bon. Ensuite ça. Désolé, après on rejoue. Hein. Je fais des posts comme ça, c'est pas super, mais au moins. Les gens arrivent. Installez-vous tranquillement. Je fais juste un petit check-up au niveau des événements. Là. Récents événements. J'ai des trucs, mais ouais. Ouais, Uriel, ça apparaît pas son don en bit, ça apparaît pas pourtant, c'est bizarre. Néopic, c'est bon, t'es follow. D'ailleurs, hop,
que c'est pas la pire idée du monde, ça. Ah merde. Si, hein, c'est la pire idée. C'est de la merde. Conturiel. Ah oui, mais c'est normal, ça. Je sais pourquoi. Parce que j'ai modifié, maintenant ça, là, c'est... Le top tier, je l'ai mis en perpétuel et pas mensuel, c'est pour ça. Je sais pourquoi maintenant. Ok, c'est normal, c'est tout à fait normal, c'est logique. Allez, j'arrête de faire des pauses à droite à gauche, on va jouer. Sinon, en une heure, on n'aura rien fait. On aura fait une mission, même pas. De toute façon, on fait une heure jusqu'à 19h30. Je fais une pause pour aller manger. 20h30, Trackmania. Et je pense que ce soir, je reprendrai un peu le jeu. J'aimerais bien continuer. Progresser dessus. Je vais peut-être faire autre chose. Demain, je risque de stream toute la journée cette fois. J'ai pas d'obligation. Ça me vient. J'ai passé une journée pourriche, mauvais poil, et il manquait plus qu'une bande de dégénérés. On va s'éclater. Maman, non. Le docteur Palberg a été très clair à ce sujet. C'est un peu bizarre. Le train du jeu, là, il est pas comme hier. Pas comme lundi. Le docteur Valberg serait très en colère. Garde ton calme. Je disais que moi. C'est musique. Je vais la course à moi-même. Tu viens de louper la rue. J'aurais jamais dû te laisser conduire. Ouais, c'est pas faux. Ça va se gâter un peu à partir de maintenant. Se gâter? Mais pourquoi ça? Va blesser quelqu'un. Ouais, ça c'est le but du jeu. Hein. On est partout. Pardon? Ah, si tu parles pas comme un pirate, tu me dois un doublon, parbleu. Bouddhi bâtard, tire une bordée, Jimbo. On n'a pas de canon, capitaine. Alors balance-lui une satanée canette, parbleu. C'est pas vitesse. Monter 5 véhicules au-delà de 140. Ça doit être facile, ça. Il y a plein de missions comme ça dans le jeu, ça permet d'avoir de la thune. Ça c'est de finir le jeu à 100%, hein. C'est pas de faire uniquement les missions principales, hein. Je suis pas comme tout le monde là, tous les streamers, les youtubeurs qui font juste les missions principales du jeu et après ils passent à l'autre. C'est tranquille PPR. Je m'amuse. D'ailleurs le jeu, là c'est sur PC, hein. Il a un mode multijoueur. Peut-être on fera des sessions si ça vous intéresse. Si vous l'avez aussi sur... Je crois qu'il est pas très cher en plus, hein, sur Uplay, sur Steam, les shopping clés sur Instant Gaming, il n'est pas très cher. Je pense que c'est un bon jeu. Un peu vieux au niveau graphique, mais au moins de s'amuser dessus. C'est un petit jeu avec plein de modes de jeu.
c'est musique ça. En GT. Ça fait mal. Pourquoi je fais ça à chaque fois? Je m'amuse de tirer le frein à main, de faire 180 et... qui est là, arrière de la voiture. Burnout à force. Là, on fera burnout. De toute façon, j'ai plein de cheveux là que j'ai prévu cet été. Bon, j'ai des vacances aussi, mais ne vous inquiétez pas, on va faire plein de jeux. Un jeu de bagnole, la queue. Enfin, du Borderland, du HF Empire aussi. Je vais installer quelques games. J'ai plein de jeux qu'il faut que je m'installe. Près, mec, beaucoup trop près. Ouais, je m'amuse là, on va faire des missions, là je tourne en rond. Je gagne un peu de thunes quand même, mais tiens, on va faire ça. Ça aussi j'ai envie de le faire. C'est simple ça aussi. C'est un peu compliqué, tout est simple, par contre j'ai dit ça marche pas, pourquoi? C'est pas mal ça, 3000 déjà, ça commence à monter au fur et à mesure des étapes. Moi ça va être pas comme voiture. Prends Sam, ouais. L'intérieur. Pour moi, Select c'est pour aller sur la caméra, sur la map. Hein. Bon, les jeux de base, on va faire ça. Miné fugitif. Une église? Ils ont osé braquer une église? Ouais, pour voler le tronc des pauvres. Alors, j'ai passé une journée pourriche, mauvais poil, et il manquait plus qu'une bande de dégénérés, tiens. Ben ouais, qui dis-tu? Ça fait longtemps que j'avais envie de dire ça. Dire quoi? Que Dieu nous a confié une mission. Les percuter, Don. Ça va leur faire tout drôle. Ça, j'espère bien. Toutes mes excuses. Voile blanc. On y va en force. On leur fonce dedans pour les stopper. Ça roule. À chaque fois, on peut auto-switch. Là, c'est dans l'action.
Doc, maintenant. Alors, qu'est-ce que je fais? On peut s'amuser. Je reprends la poursuite dans une voiture de flic. Ou j'utilise. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Bonne idée, Doc. Qui se déroule sans accroc. Bon, je crois qu'on n'a pas beaucoup de thunes là, faisant ça. Ah si, investigation. Ah, on dévoile une autre mission. Bah ça c'est la mission principale. Activité poursuite. Ok, on dévoile quand même des activités. J'imagine des véhicules aussi, non? Peut-être. Peut-être pas. T'es sur la carte. Tous les garages, les clés à molette, hein, les garages. Donc là, on a 4. Une voiture de flic, on va faire une petite course pour ça. Ah, on est solo, ok, il a pas de coéquipier. On va déclencher une poursuite, c'est simple. Hein. Taper dans les voitures où il y a un petit logo rouge. Hop, le taxi. Pas distraire. Voilà. Simplement. J'ai 50 000 là pour acheter la GTR. Joli John, très joli. Ces types enfreignent la loi. Je vais les dégager des rues pour peut-être sauver les... Merci, cette mission. Écoute. C'est pas un hasard si je suis au volant, Preston. Un jour, quand t'auras plus d'expérience... Oh, la ferme, Kowalski. Arrêtez ces merdeux, ça va rien changer. Ces types enfreignent la loi. Je vais les dégager des rues et peut-être sauver des vies. S'il veut, Kowalski. En fait, je déteste et j'adore les courses de rue. Je suis pas inspecteur, Kowalski, mais je m'en doutais un peu. Je déteste ne pas recevoir d'invites. J'adore ruiner la fête. J'espère qu'on tiendra pas les frais de peinture sur ma prime. Alors, ce qui est simple, c'est soit on les poursuit comme ça, soit... Ok, je crois qu'il est temps de pimenter un peu la course de ces types. On prend un bus, en sens inverse. T'en fais surtout pas pour la peinture. C'est pas comme si c'était notre seule voiture de patrouille, hein. C'est R32 ça. Skyline R32. Bien joué. 32 ou 33. Et maintenant, est-ce qu'on va s'arrêter pour coffrer les types qu'on vient de stopper? Eh, rien de moins. À qui le tour maintenant? Ça, Skyline. Oh, c'est 33, ça. Il y en a deux devant. Peut-être pas qu'ils finissent la course avant qu'on les chope. Et 2-1 à la casse. Au suivant. Thank you.
en frontale, ça fait mal. Deux voitures HS. Plus de deux en course. Alors, qui c'est qui veut d'un nouveau pilote? C'est bien parce qu'on a quand même pas mal de... jauge. On s'en lasse pas. Ces types pensent que l'affaire est dans le sac. J'espère que vous avez compris cette fois. Je vous retrouve au poste pour un rappel du code de la route. Je les fasse tous, c'est tout ce qu'il y a le plus dans la ville. 0,270, sans aptitude, donc sans boost, sans nitro, sans boost. C'est qu'il ne peut pas exercer cette exploit. Bah oui, c'est trop lent. On va prendre autre chose. C'est vraiment peut-être ça. Camaro SS, ça peut le faire. 140, hein. 270. Pourquoi pas? C'est trop lent. Sinon, il faut une bonne ligne droite aussi. On va aller sur l'autoroute, ça sert à ça. C'est lent. On voit la puissance et la vitesse, hein, surtout la vitesse. La puissance. Allez, on la ferme. Ça, apparemment, oui, je suis pas sûr. En pente en fait, hein. Allez, yes. Bon. Yak, ça va. Tous les défis blancs en même temps, je fais tout. Ça va vite. Ça va. C'est de 30 mètres. On vient dans cette zone là. Ça tombe bien, c'est ici. Ça fait de l'argent, c'est simple, compliqué, moi en tout cas. Ah c'est en total, 150 mètres en total je crois. 45 secondes. Donc avec ça, ça va trop faire, ça c'est trop lourd. C'est puissant mais c'est bon. Sweet memory. When my mama lives on.
ça. Ah, ça démarche quoi. Dans ta bouche et... Hé, hey, Arthur, ton poulain Lil Bay m'a chié dans les bottes. Alors ce soir, mes potes et moi, on va ruiner ta belle fiesta. Crazy P a l'air vraiment taré, Jackie. Et tu vas faire quoi, Trouduc? L'endroit est gardé secret. Secret? Il y a des panneaux partout dans la ville, pauvre tâche. Allez, on se voit plus tard, Jevy. Parce que... Des fois, les dialogues sont pas calés avec les bruits de bouche. Enfin, les gestes de bouche. Alors là, il faut détruire les panneaux, c'est comme le, détruire les paquets dans The Crew. C'est inspiré de ça, hein, les paquets de The Crew. Je vais démarquer ajoute du temps, des munitions pour révéler l'institution. Nom d'un chien, Gary, ce serait cool que Lil Bay puisse faire au moins un dernier concert avant d'y passer. Ouais, la culture, ça me paraît essentiel. KP sait pas où le show a lieu, alors on a qu'à détruire les panneaux. Incroyable, tu savais pas qu'il y avait un cerveau dans ton crâne de piave. Je viens d'en mettre un. Réputation. De Lil Bay. T'en sais rien du tout. Si je trouve pas le concert, peut-être que c'est toi que je vais devoir défoncer. C'est ça, Crazy P, t'as de la gueule, mais pas grand chose dans le slip. Oh, les dialogues, hein. C'est pas non plus ultra recherché. Bon, voilà, on dit qu'on est. Un des blocs, c'est les activités là, hein. Des cascades.
ça fera plus tard. On va enchaîner avec la mission de Tanner. Par contre, c'est chiant de se voyager. Se balader comme ça, c'est long. On va aller choper une bagnole. C'est Tanner et Jones. Tu t'es décidé à revenir enfin parmi nous? T'es prêt à faire un vrai boulot de flic? Vas-y. On a un tuyau sur la voiture que Sarah Allen a vue avant l'enlèvement. Tu veux parler de la voiture de la beauté fatale avec son gros couteau? Tout est pas perdu alors. Alors, je t'écoute. On nous signale une voiture qui correspond à la description aux abords du centre-ville, près de Grèce Cathédrale. Alors on y va. Merci mon lieu. Docteur Allen a décrit une voiture de sport blanche européenne. On retrouve la voiture et on découvrira peut-être qui est la fille au couteau. Ce serait déjà pas mal. Je vais dans ta droite et gauche avant de m'engager. C'est pas grave. Un oiseau. La voilà. Ouais, ça correspond. Vite, prends une photo. C'est fait. Waouh ! On dirait vraiment un top modèle, cette nana. Faut absolument qu'on se rapproche. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Je m'en occupe. Je vais essayer de l'identifier. Apparemment, l'histoire prend... Ça prend par 6 mois ou quelques mois après Driver 3. J'ai jamais fait Driver 3. Fais gaffe, t'es trop prêt, Tanner. Laisse du champ, mais la perds pas. Fais ci, fais ça, t'es pire que ma mère. Je suis aimé. Vérifie sa plaque. Voilà, du bon boulot à l'ancienne. Là, on parle le même langage. Centrale, ici 40 Alpha 30. Vous pouvez me vérifier cette plaque? 8BR8139. Bien reçu. Ouais, je vous envoie une photo aussi. Le suspect était assez loin, mais essayez de faire de votre mieux. Merci. Entendu. Le véhicule appartient à une femme de 89 ans de l'Idaho. Eh ben, je crois que mamie s'est fait tirer sa voiture. L'analyse de la photo via la base de données est infructueuse. Essayez de voir ce que vous dit Interpol. J'ai comme un pressentiment. Entendu. Accélère un peu. Elle est en train de nous semer. Compris, mamie. Alpha 30, ici le central. On a un retour sur la base d'Interpol. C'est une citoyenne américaine d'origine égyptienne, Lila Charan. Lila Charan? Merde, c'est du lourd. Merci, central. Terminé. Quoi, tu la connais? Elle a une sacrée réputation. Et pas que pour son physique. Alors, c'est sur elle. C'est une chose professionnelle. Elle a été formée en Afrique. C'est complètement de la cause pour laquelle elle se bat. Donc elle est bien payée. Ouais, moi, je veux dire la payer pour... C'est pas ton genre, mais... Elle prend la direction de l'autoroute. Alors nous aussi. Ça va. Hey, faut la laisser partir. Allez, fais-moi confiance.
Au moins, on sait qui on cherche. On la retrouvera, j'en suis sûr. Dans mes rêves, il n'y a aucun doute. Leila Charan, assassin. Ma main a coupé que c'est le tireur de l'hélico. Ça veut dire qu'elle bosse pour Jericho, et si elle a kidnappé Sarah Allen, c'est que Jericho a besoin d'un chimiste. Précédemment, dans Driver San Francisco. Il te reste 30 ans à tirer ici. Et moi, je veux 30 millions. Le calcul est vite fait. Je pouvais, comme, prendre un corps... et bam ! Contente-toi de faire du surplace. Si Leila Charan est en ville, Jericho a sûrement des projets. Il prépare un truc. Madame, est-ce que vous allez bien ? Comment vous avez fait ? Vaut mieux pas que vous le sachiez. Ordell Williams et Darius Spencer. Ils bossent pour le gang de Jericho. Allez, John ! Reviens parmi nous ! Ah, vous avez vu le petit résumé, de toute façon j'ai bientôt m'arrêter hein, dans 15 minutes. Après, je vais aller manger et après Trackmania. Et on continuera peut-être ce soir vers 22h30, 23h. Là, je fais encore 2-3 petites missions et on continue. Limite, on va même continuer la mission principale. Comme ça va peut-être déverrouiller le nouvelle zone. On sait encore. Allez. C'est à chaque fois le bout de la ville, c'est chiant. On doit garder l'œil sur la ville. Un million en platine vient d'être volé chez Pacific Alloys et un 4x4 rouge a été signalé partant de l'usine. Jericho, pas de doute. Ouais, et si tu veux passer en revue tous les 4x4 rouges en ville, cet hélico de police est l'appareil rêvé. Il va décoller de l'héliport de Westlake. T'as sur grave, Jones. A plus. A plus. Il s'en va. Une chose. Pilote pas l'hélico. Je veux pas piloter. Je veux juste surveiller. Tu connais le jargon ? Je connais unité au sol. Pour le reste... Dans l'hélico. Maintenant, on va quadriller le comté de Marine pour refaire une course de rue. Changement de programme, direction le centre-ville pour trouver un 4x4 avec du platine volé. Ok, bien reçu. J'écoute les communications. Vous pouvez observer les voitures avec la lunette. Si elles sont dans la base, elles sont signalées. On dirait bien une course de rue. On n'a pas le temps pour ça maintenant. Une course de rue ? Sûrement une perte de temps. Vous avez une idée d'où commencer ? Bien sûr. C'est bien ça. Suivant. 4 rouge, hein. Waouh ! C'est quoi ? Tous les secours sont sortis. C'est un accident. Ça a l'air grave. Des pompiers ! Et aussi un camion citerne. Ouais, ça a l'air d'être vraiment sérieux. Mon Dieu ! C'est clair, on voit pas ça tous les jours. Ouais, c'est sûr. De toute façon, c'était pas notre client. C'est presque aussi cool que de conduire. Ouais, j'adore notre nouveau joujou, pas toi ? Non, rien à dire. Non. Non. Ah. Un 4x4 rouge, il a été volé. Le bas de caisse rase le sol, monsieur. Ce qu'il transporte est lourd. C'est sûrement notre platine. Alors, qu'est-ce qu'on a ? 3 caisses lourdes qui bousillent le cuir à l'arrière, et un
flingue sur le siège passager. Je crois que c'est notre homme. On va embarquer tout ça. Ok, on y est presque. On va tout saisir comme pièce à conviction. Quelqu'un veut ce platine à tout prix. Carrément. Ok, on y est presque. On va tout saisir comme pièce à conviction. Les 3 secondes qui me manquaient, c'était sur le mur. Ok, on y est presque. On va tout saisir comme pièce à conviction. Il y a peut-être des améliorations à mettre aussi, peut-être pour ça. Faire des améliorations avant. Non, c'est fait.
map, je sais pas trop où aller. Moi c'est plus court comme ça. Une voiture, hein. Ouais. Livraison spéciale. Une cargaison de platine volée. Un chauffeur très embarrassé et encore un plan de Jericho qui cafouille. Une belle prise de platine. Et si c'est Jericho qui l'a volée, c'est qu'une pièce du puzzle. Possible qu'il essaie de financer quelque chose de gros. Info, plus de 20 millions de dollars en platine viennent d'être dérobés. Les criminels ont échappé à la police en plein jour. Jericho. Les cinématiques contre avec le jeu là, c'est pas du tout les mêmes graphismes. Pique les yeux un peu hein, le jeu. Niveau 3, ah, on va pouvoir dézoomer encore plus. Bon, je commence à piger. Il est temps d'élever mon niveau de jeu, au sens propre. Voilà. La vache, c'est vraiment trop bon. Ah, ça va être plus simple hein, de se balader. On va toujours la même zone du coup. Des nouvelles missions. Et moi je vous dis qu'on va faire ça plus tard. Hein. J'ai coupé le live. Dans une heure, Trackmania. Et ça, on fera, je pense, vers 23h, 23h30. Plus tôt, peut-être plus tard, je verrai si Trackman me saoule. Ça du monde ce soir aussi. J'ai une Semeria, mon équipe, sur Trackmania. Voilà, je vous laisse là. Il y a tout à l'heure, n'hésitez pas à follow si c'est pas fait. Comme ça, vous êtes notifié quand je reprends le live. Partager la chaîne, ouais, j'ai Twitch, enfin j'ai Twitter, j'ai Discord, vous pouvez rejoindre, c'est ouvert à tout le monde. Il y a YouTube aussi, il faut que je reprenne la chaîne un jour. Que dire de plus? Je crois que j'ai tout dit. A tout à l'heure, c'était Diablo. Ciao.